cigogne en peluche, bien évidemment. Oh, elle est bien faite. Notre planète, les gars. Notre planète, elle est magnifique. Oh, y a Passepartout. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2020. Microsoft Flight Simulator 2020, ça faisait extrêmement longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour même un live. Mais là, c'est pour une vidéo sur le jeu. On va enfin pouvoir découvrir ce que je voulais qu'on découvre depuis très longtemps, les nouveautés qu'il y a en France. Alors, il y en a bien plus que ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire et on refera ça avec grand plaisir, un maximum de pouces bleus. Nous sommes aujourd'hui, alors voilà, j'ai réussi à installer un mode avec un magnifique Rafale, le F-22 Raptor. Je mettrai en description, il est bien connu maintenant des mods, mais je suis trop content, il est trop bien. Enfin, du coup, ça permet d'aller quand même relativement plus vite. Forcément, c'est pas réaliste à 100%, mais c'est déjà ça. Je suis un petit peu dégoûté parce que le temps est pas terrible et j'ai mis le temps en temps réel, la météo en temps réel, donc bah ça colle. Là, on est en Lorraine actuellement. En fait, on va décoller d'une base militaire. Nous sommes ici dans une base militaire en Lorraine. On va passer à la cathédrale de Strasbourg qui enfin a été donc modélisée. La cathédrale de Strasbourg. Ici, on verra le château du Haut-Königsbourg. On verra le Fort Boyard. Ça, c'est incroyable. Le Fort Boyard qui est modélisé. J'ai trop hâte de voir ça. Et on terminera d'ailleurs par la maison, enfin le phare du Cordouan. Du coup, le phare du Cordouan. Et j'ai des anecdotes à vous raconter à chaque endroit, donc ça c'est plutôt sympa. On peut y aller les amis, on va traverser la France en rafale. J'espère que vous allez kiffer, si c'est le cas, maximum de pouces bleus. Et j'espère qu'on aura le ciel bleu assez vite. Dans ma région, il fait gris, donc quand on va aller à Strasbourg, il risque de pas faire spécialement plus joli. Voilà, allez on est parti, on est prêt, on met les pleins gaz, on lâche le frein et c'est parti. Au quart de tour les amis, mais quel plaisir de vous retrouver sur Flight Simulator, mais vraiment... Quel plaisir les amis. Allez, on chavire. On chavire direct. C'est parti. Ah, ça va être compliqué avec le brouillard, mais on va faire avec. Ah ouais, on voit rien. J'avais pas prévu ça comme ça. J'avais pas prévu ça comme ça. Heureusement qu'on a le tableau de bord. Heureusement qu'on a le tableau de bord. Peut-être qu'on y verra plus clair dans quelques instants. Peut-être que le ciel bleu... J'ai plus mon plan de vol. Mon plan de vol, il a disparu, non? Comment ça se fait? Mais c'est nul. Ok, j'ai perdu mon plan de vol, il a disparu. Ah ça, je reproche ça à Flight Simulator. Et ça bug des fois, mais c'est terrible. Oh, c'est trop stylé, on voit rien, c'est incroyable. Évidemment, je suis pas à fond les amis, hein, mais alors pas du tout. Si vous pouviez savoir à combien je suis tout sauf à fond. Je suis allé sur la gâchette, on va dire, je suis à 10%. Mais vraiment, ouais, 15%, allez. Mais vraiment, hein. Avec ce temps-là, je vais pas me mettre à fond. Je vous montrerai un jour si ça vous intéresse, si vous êtes chaud. Dites-le moi en commentaire, mais je ferai ça à fond ou quand il fera beau ou quoi, et c'est phénoménal, ça va tellement vite, c'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Bon, on va devoir malheureusement, et heureusement, hein, de toute façon on l'aurait fait, mais on va devoir voler à basse altitude du coup pour pouvoir voir quelque chose, parce que sinon ça va être relativement compliqué. Je vois quelque chose là-bas, eh ben c'est totalement la cathédrale de Strasbourg. Ah bah là on la voit. Il y a tout qui est plat, il y a tout qui est plat. Mais par contre, on voit la cathédrale de Strasbourg là-bas. Bah là, on peut pas la louper. On est là, on est présent. Bienvenue à Strasbourg. Avec une première anecdote, du coup, à vous raconter sur la cathédrale. Alors, c'est pas sur la cathédrale même, hein, c'est sur ma vie. Hein. Mais c'est que du coup, on a rencontré en 2019 notre acolyte Créo. Et du coup, on en a profité pour lui faire découvrir un petit peu vite fait Strasbourg. Et donc, notamment la cathédrale de Strasbourg. Et en fait, pour l'anecdote, du coup, je vais découvrir en même temps que vous le monument, comment il est foutu sur le jeu. On va tourner un petit peu autour. Du coup, pour l'anecdote, en fait, il y a des marchands un petit peu partout autour. Surtout quand il fait beau. Là, il fait pas beau. Et il y en a qui vendent des cigognes en peluche, bien évidemment. Oh, elle est bien faite. Ah, je suis déçu pour le brouillard. Ils vendaient des cigognes, sauf qu'en fait, Créo vient en Alsace, mais n'est absolument pas au courant de ce que c'est qu'une cigogne. Voilà. Créo ne savait pas ce que c'était qu'une cigogne, et ça, c'est trop drôle. Alors j'espère que vous savez tous ce qu'est une cigogne, hein, quand même. C'est quand même l'animal emblématique de l'Alsace, si vous voulez. Ah, elle est bien faite, hein. Elle est bien faite. On va mettre le jeu en pause, on va se mettre juste au-dessus, et on va mettre le jeu en pause pour un petit peu regarder. Je me débrouille pas trop mal. Le jour où vous verrez un avion de chasse faire ça, faudra s'inquiéter, je pense. Je pense. Ah bah, eh.
Parfait. Allez, on fait le tour un petit peu de la cathédrale, comme ça vous la voyez. Incroyable. Oh, bah, elle est quand même relativement bien faite. Bon, après, derrière, je connais pas. Ok. Ah, c'est marrant. Voilà la cathédrale, voilà la bête. Et en fait, du coup, nous, on était là, dans cette ruelle-là. Voilà, dans cette ruelle-là. Alors, c'est pas exactement bien fait. Hein. Bon, c'est pas exactement comme ça. Mais bref, nous, on était juste là, ici. Bon, il y a plein de gens et tout. Et ça ressemble pas vraiment à ça dans la vraie vie, hein. Mais vraiment. Hein. Et bref, on était là, il y avait un marchand de cigognes en peluche. Et Créo était perdu. Et c'est incroyable. Donc voilà, ça, c'était pour la cathédrale de Strasbourg. Mais maintenant, ça m'embête. J'aurais bien voulu voir le château du Haut-Königsbourg. Mais, j'ai plus mon plan. Dommage que ce soit buggé comme ça, le jeu. Et ça le fait souvent, hein. Le peu de fois que j'ai joué à ce simulateur, t'as un plan de vol. Et hop, ton plan de vol disparaît, tu vois. Donc, c'est assez terrible. Là-bas, je vois une pointe de lumière. Mais c'est pas là-bas qu'on va. Regardez comme c'est trop stylé. Là, on peut passer à travers les montagnes et tout. Bon, on va méga vite. Ah hein. Oh là là, c'est magnifique. Alors même le jeu, du coup, il a du mal à charger parce qu'on va trop vite. Oh, par contre, on verra rien là à travers les montagnes. Oh là, ça va être très dangereux. On va essayer de rester à basse altitude. Ouh. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud, on voit rien. Faut regarder le 3D là. Bon, ça, dans la vraie vie, tu fais pas. Hein. Oh, là-bas, regardez. Y a plus de... Y a plus de nuages gris là-bas. On peut voir un petit peu que ça a l'air d'aller mieux niveau climat. Et là-bas, je vois un point lumineux. Vous allez voir un avion. Ah, c'est trop stylé, y a un collègue là-haut. Alors, j'aurais trop aimé. Et je pense que si ça vous intéresse, on le fera. Vous me dites en commentaire, vous mettez vos likes. Mais on fera des vidéos où on escorte des avions. Ça peut être marrant. Mais là, on peut pas trop parce que lui, il est en l'air, il voit... À mon avis, il se fait guider. À mon avis, c'est un avion de ligne là-haut. Et il doit se faire guider par ses appareils ici. Et donc, nous, si on le rejoint, on le verra jamais. On le verra pas, on verra juste ses points lumineux. Est-ce qu'on essaye ou pas? Allez, vous savez quoi? On va essayer de le rejoindre, mais à mon avis, c'est une connerie. Hein. Bon, là-bas, la météo a l'air un peu plus sympa. Allez, c'est parti, on met plein gaz. On va juste essayer de passer à côté pour lui faire un petit coucou. Mais on verra rien. Franchement, si je me tôle... On va se foutre en l'air. On est des pilotes ou pas? Oh! Oh, magnifique! C'est magnifique! J'ai envie de pleurer! Non, j'ai envie de pleurer! Alors ça, par contre... Oh, c'est génial! Ça me donne envie de pleurer, ça. C'est magnifique. Notre planète, les gars. Notre planète, elle est magnifique. Alors, il va pas du tout dans la direction que je veux, mais c'est pas grave, on va aller le rejoindre, parce que c'est rigolo. Notre planète, les gars, elle est quand même... Franchement, faut qu'on en prenne soin, les gars. Faut qu'on en prenne soin, je rigole zéro. On peut pas pourrir ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça y est, on y arrive. On va ralentir. On va trop vite. Regardez. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui nous arrive, les amis. On va l'escorter. C'est incroyable ce qu'on est en train de faire, les amis. J'espère que vous kiffez, les amis. C'est incroyable. On va beaucoup trop vite, mais c'est incroyable. Regardez ces trous dans les nuages. J'ai envie de pénétrer dedans. Allez, c'est parti. Pénétrons dans ces trous. Dans ces trous de nuages. Wouhou, c'est incroyable. C'est que du kiff. C'est que du plaisir. C'est magnifique. Non mais c'est... Celui qui trouve ça nul. Mais je comprends pas. Comment tu peux trouver ça nul? C'est magnifique. Caresse les nuages, c'est incroyable.
Alors là, les amis, je crois apercevoir, je ne suis pas sûr, mais je crois apercevoir là-bas de l'eau. Si je ne dis pas trop de bêtises, on dirait bien un océan qui nous attend par ici. Et oui, les amis, regardez où nous sommes déjà. Et ça, ça fait plaisir, nous y sommes. Nous sommes aux abords du Fort Boyard juste ici, et donc ici, le phare du Cordouan. On est très très bien dans cet avion, quand même. Il est quand même relativement sympathique. Il est beau, il avance bien. Et c'est l'essentiel. J'ai aussi installé un mode du coup avec un hélicoptère. Si ça vous intéresse, on pourra faire un peu d'hélicoptère. Je me suis amusé à en faire en Haute-Savoie, du coup là où on partira au mois de juillet. Et franchement, bah, c'est stylé de ouf. Du coup, je vous annonce qu'on partira en vacances en hélicoptère dans la vraie vie. Non, je rigole. Mais bref, trop cool. Donc si ça vous intéresse, vous me dites. Oh putain, ça y est les amis, je suis tellement excité. On y arrive. C'est juste entre ça et ça. C'est entre les deux, à quelque part devant. Ça y est, mais c'est qu'on commence à le voir. En plus, le petit coquin, là. Il commence à apparaître. Ça y est, mon pote. Et on a de la chance, c'est qu'il fait beau. Je suis en train de réaliser. Alors, du coup, je dis on. Mais ils ont la chance, du coup, les Charentais, là. Les Charentais, ils ont le putain de ciel bleu, pendant que nous, on a la putain de grisaille. Putain, mais il fait gris chez moi. C'est horrible. Je veux le générique du Fort Boyard. On va tellement vite en avion de chasse, on se rend pas compte, là je suis vraiment au minimum, mais on va passer mais tellement vite à côté, c'est phénoménal. Et en plus il est dans le bon sens. Oui, j'en suis à analyser le sens du Fort Boyard, mais il est dans le bon sens puisque depuis les dunes là-bas, on peut les voir. Enfin on peut voir l'avant du fort. Ça y est bébé, on y est. Incroyable. Est-ce que vous croyez qu'on voit... T'imagines, ils ont mis le père Fouras. Ça aurait été marrant s'ils ont mis le père Fouras, tu sais. Incroyable, mais incroyable. Oh, y a Passepartout. La patrouille de France qui survole le Fort Boyard. Bah franchement, stylé de ouf, ils ont géré, ça fait du bien, ça fait plaisir, parce que bon, hein, comme dit, vous savez, j'étais quand même assez déçu, première fois que j'ai eu Flight Simulator dans les mains, il y a un an quand même déjà presque, bah le premier truc que je voulais c'était voir le Fort Boyard, et il n'y était pas, et c'est normal, et maintenant il y est, et ça c'est incroyable. Le banc de sable que vous voyez sur la droite, le phare il est censé être là, si je dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises, c'est bel et bien là. Et donc pour l'anecdote, je partais en vacances en Charente-Maritime à Royan, ici là, à peu près, je sais plus exactement. Et du coup on a fait une traversée de là-bas jusqu'ici en jet ski, exprès pour aller sur cette petite... c'est pas une île, hein, c'est un banc de sable avec le phare et tout. Et des fois il y a marée haute, des fois il y a marée basse. Et voilà, pour l'anecdote, sachez que c'est extrêmement stylé. Et qu'à tout moment tu peux te retrouver bloqué sur ce banc de sable, mais c'est trop... stylé, j'aimerais trop juste une fois. Là-bas, l'eau, elle est... Alors, par contre, vraiment, l'eau n'est pas transparente ici. Parce que c'est l'océan, c'est la... Voilà, c'est l'océan. Mais par contre, ici, là, l'eau, elle est transparente. Tu vois toutes les méduses et tout ce qu'il faut. C'est incroyable. Alors, ouais, ils ont modélisé le phare. Bon, le reste, y a rien, quoi. Ouais, c'est normal, y a rien, mais... c'est pas très joli, là. C'est pas très joli. Le phare, il est un peu au milieu de nulle part. Mais, bon, on va... globalement, c'est ça. Mais le phare, c'est bien celui-là. Et ça, c'est stylé. Et ça fait plaisir de le voir modélisé également. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Franchement, c'était plutôt sympathique. J'ai plutôt kiffé ce petit retour sur Flight Simulator. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Faites-les moi savoir avec le petit pouce bleu comme d'habitude. Et franchement, si vous êtes chaud, on refait ça en live avec grand plaisir. Et en vidéo, pourquoi pas. Pour voir un petit peu tout le reste, les dunes du Pila. On a plein de trucs à voir à Paris, etc. Plein de... Ça peut être très sympa. On pourra aussi aller voir de nouveau en Haute-Savoie un petit peu. Vous me dites tout ça en commentaire. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine, c'était Mkolo. Ciao, ciao.